Quoi de neuf, le œuf ? C'est l'info surprenante du jour. Cette fois, on a capturé le son d'un tremblement de terre martien. Le sismomètre européen CEIS, adossé à la sonde martienne InSight, arrivée en décembre 2018 sur la surface de la planète rouge, a transmis des enregistrements qui ne laissent aucun doute. Si un premier bruit avait été repéré le 6 avril, cette fois deux tremblements ont été enregistrés le 22 mai et le 25 juillet. C'est désormais certain, il existe une activité sismique sur Mars. Des secousses timides que le CNES a dû filtrer et accélérer pour les rendre audibles par l'oreille humaine. L'origine de ces mouvements est encore inconnue. Frottement de plaques internes, effet de la gravité ou activité magmatique, les recherches sont encore en cours. Ces sons nous permettent déjà de nous projeter comme jamais dans l'ambiance de la planète rouge. À quoi l'on peut rajouter les sons produits par le sismomètre lui-même, dont les frottements sous l'effet du vent créent un bruit désormais bien connu des chercheurs. À bientôt sur le HuffPost.